Bonsoir, il est 18h30 et c'est l'heure du journal en version française de TV Plus Madagascar. Pour ce soir, voici tout de suite les titres. Il est primordial d'investir dans l'éducation des filles. Nous devons faire comprendre que l'éducation des filles n'est pas une menace. C'est sur ce mot que la première dame de Madagascar, Madradzouil, est non moins championne de la lutte contre la violence basée sur le genre, a fondé son allocution lors du lancement du programme « Une fille qui apprend, une femme qui gagne ». Les activités de l'École supérieure des sciences agronomiques ou ESSA de l'Université d'Ankats ont été suspendues depuis le 1er novembre suite à une coupure d'électricité. Une lettre a été envoyée au président de l'université pour l'informer de la situation, mais elle est restée sans suite, a déclaré le directeur de l'ESSA. La hausse du prix du lait en poudre au niveau mondial a doublé en l'espace de 2 ans, conséquence directe de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. La filière lait de Madagascar est également affectée dans la mesure où la production locale ne cesse de diminuer, d'après les explications. Les Iraniens l'ont emporté en toute fin de match contre les Gallois 2-0. Vendredi 25 novembre au stade Ahmed Ben Ali dans le groupe B du Mondial. À la une ce soir, il est primordial d'investir dans l'éducation des filles. Nous devons faire comprendre que l'éducation des filles n'est pas une menace. C'est sur ces mots que la première dame de Madagascar, Madradzouil, et non moins championne de la lutte contre la violence basée sur le genre, a fondé son allocution lors du lancement du programme « Une fille qui apprend, une femme qui gagne ». En collaboration avec la Banque mondiale. Elle fonde de grands espoirs en la gente féminine et soutient que les filles et les femmes forment la fondation de la nation et contribuent à son développement. Pendant 100 jours, donc, plaidoiries et actions seront menées et engagées pour éduquer les filles, les faire participer au marché de l'emploi et les protéger des violences basées sur le genre. Sierna Doni a assisté à l'événement de ce jour. La voix de la première dame a été entendue ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Tous, ici présents, femmes et hommes, ont témoigné de vive voix leur engagement à accorder aux femmes le statut qu'elles méritent, celui d'un être à part entière, qui jouit de son plein droit, qui a droit à l'épanouissement et qui contribue au développement de son pays. Lors de la cérémonie de lancement du programme « Une fille qui apprend, une femme qui gagne », une initiative de Madradzouil, soutenue par la Banque mondiale. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de gens prendre des engagements que l'équipe de la Première Dame va produire pour qu'on puisse être redevable de nos engagements. Au nom de l'institution que je représente, je vais faire un pledge de 300 millions de dollars pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes. La campagne de 100 jours du programme « Une fille qui apprend, une femme qui gagne » est une course à la plaidoirie et aux actions pour que les filles et les femmes puissent jouir pleinement de leur liberté, de leur capacité, de leur force, de leur résilience, pour aboutir à des impacts favorables, selon la première dame, Madradzouil. Il est primordial d'investir dans l'éducation des filles, apprendre d'abord et avant tout. C'est la fondation sur laquelle repose tout le reste de l'édifice. Nous devons faire comprendre que l'éducation des filles n'est pas une menace, au contraire, c'est une chance. L'éducation élève. L'éducation enflamme et l'éducation anoblit l'esprit humain. En tant que maire de la nation, Madradzouil a déjà œuvré dans divers secteurs pour que les filles et les femmes
puissent jouir de l'équité et pour qu'elles soient protégées des risques relatifs au fait d'être née du sexe féminin. En ce qui me concerne, je m'engage à participer à la mise en place d'un système de parrainage pour les jeunes filles dans la formation professionnelle. Ceci afin de leur permettre d'intégrer le monde du travail. Je m'engage également à continuer à porter ma contribution pour les activités génératrices de revenus. Et devant la recrudescence des violences, je m'engage à poursuivre les efforts dans la prévention et la prise en charge des victimes qui restent encore dans le silence. Naître fille et être femme en 2022 ne devrait plus signifier être victime de discrimination et d'inégalité. Être femme et naître fille en 2022, c'est être une fille qui apprend, une femme qui gagne, selon toujours la première dame Nel Radzouin, fondatrice de l'association FITI et non moins championne de la lutte contre la violence basée sur le genre. Dans le domaine de l'éducation, les activités de l'École supérieure des sciences agronomiques ou ESSA de l'Université d'Ankatsu ont été suspendues depuis le 1er novembre suite à une coupure d'électricité. Une lettre a été envoyée au président de l'université pour l'informer de la situation, mais elle est restée sans suite, a déclaré le directeur de l'ESSA. En conséquence, des enseignants, des membres du personnel administratif et technique ainsi que des étudiants ont organisé une manifestation aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme. Ils exigent que l'électricité soit rétablie au plus vite car la situation affecte non seulement les étudiants mais aussi le personnel universitaire. Reportage sur le récit de Gracia, Angia Titouirn. Depuis le début du mois de novembre, tous les locaux de l'ESSA ou École supérieure des sciences agronomiques de l'Université d'Ankatsu ont été privés d'électricité en raison des dommages subis par un poteau d'alimentation électrique. Jusqu'à maintenant, l'électricité n'a pas encore été rétablie, se plaint le directeur de l'ESSA d'Ankatsu, Renjianar Vilsein. La Jirama n'étant plus responsable des installations électriques situées dans l'enceinte de l'Université d'Ankatsu, le président de l'université a déjà été avisé de la situation par une lettre restée sans réponse jusqu'à présent. Cette coupure d'électricité n'affecte pas uniquement les étudiants à cause de l'absence d'éclairage dans les salles de cours, mais également tout le personnel administratif et technique dont le travail dépend entièrement de l'électricité, comme les tâches d'impression ou la communication externe entre autres. Tous les échantillons dans le laboratoire se détériorent, car les travaux de recherche ne peuvent plus être menés, faute d'électricité, selon leur plainte. Aujourd'hui, des enseignants, des membres du personnel administratif et technique et des étudiants ont tenu une manifestation pour attirer l'attention des responsables et ainsi résoudre le problème de la panne d'électricité. Ils ont affirmé que si leurs revendications n'étaient pas satisfaites, ils porteront l'affaire à un niveau supérieur. Question sport, les jeunes handballeurs malagasy ont battu leur homologue mauricien sur le score de 38 à 28 durant le premier match, comptant pour l'International Handball Federation Trophy ou IHF Trophy de la zone 7 qui s'est joué hier au Palais des Sports de Mamassn. Les jeunes Akio catégorie garçon U20 ont maîtrisé totalement le match d'hier en menant au score pendant les deux périodes. Trois pays, à savoir Madagascar, les Seychelles et Maurice s'affronteront pendant 3 jours pour essayer de remporter le ticket pour le tournoi continental IHF Zone 7 qui se déroulera au Congo. Nous continuons le journal. La hausse du prix du lait en poudre au niveau mondial a doublé en l'espace de 2 ans. Conséquence directe de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. La filière lait de Madagascar est également affectée dans la mesure où la production locale ne cesse de diminuer d'après les explications. Aussi, l'importation des vaches laitières représente une solution efficace pour combler l'insuffisance de la production, mais surtout pour accroître l'offre, précise le ministère de l'élevage. Les négociations relatives à l'importation de 1000 vaches laitières sont actuellement en cours après la publication de l'appel d'offres, y afficheront les détails sur le récit de Mamtine Anjemboul.
De nombreux pays producteurs de lait ont définitivement arrêté leurs activités à cause de la guerre en Ukraine, mais surtout après la pandémie de la COVID-19. En effet, le besoin en blé sur le marché mondial a augmenté, incitant les pays exportateurs à se tourner vers sa production et donc à suspendre la production laitière. Face à cette situation, l'offre s'est fortement baissée, raison pour laquelle le prix du lait en poudre a doublé depuis près de 2 ans. Pour Madagascar, la production laitière n'a cessé de diminuer face aux multiples défis auxquels les paysans sont confrontés, pour ne citer que le problème de fourrage pour le bétail, l'insuffisance des techniciens professionnels, l'inexistence de matériel adéquat, mais surtout le manque de médicaments et l'absence de soins adaptés, notamment pour les vaches laitières importées récemment, plus exigeantes que les races locales. Le problème de reproduction des races s'ajoute à ces contraintes. Ainsi, le Malaga Dairy Board lance un appel à la mise en place de structures adaptées à l'introduction de ces vaches laitières à Madagascar. Un central d'achat devrait être mis en place à Madagascar afin que les paysans qui achèteraient ces nouvelles races de vaches laitières puissent les élever dans les conditions adaptées et ainsi obtenir la production indiquée qui devait être de 45 litres de lait par jour par vache. En effet, Madagascar doit encore importer jusqu'à plus de 10 000 vaches laitières pour espérer atteindre son objectif en matière de production laitière. Là, actuellement, on a déjà sur la phase d'identification des fournisseurs. À partir de l'appel à manifestation d'intérêt envoyé par le ministère en charge de l'élevage, et étant donné qu'on est en pleine procédure d'acquisition, nous espérons que les vaches laitières vont arriver bientôt. On a tablé sur la fin de l'année 2022, mais comme je disais tout à l'heure, il y a encore pas mal de procédures et quelques étapes à faire avant que les vaches laitières arrivent. La stratégie nationale pour la promotion et le développement de la filière lait à Madagascar a été présentée ce jour. Les paysans ont pu bénéficier d'équipements pour améliorer leurs activités de production laitière. Passons maintenant aux actualités internationales. Les Iraniens l'ont emporté en toute fin de match contre les Gallois sur le score de 2-0 vendredi 25 novembre au stade Ahmed Ben Ali dans le groupe B du Mondial à Doha. Sur les images de France 24. Quelle victoire pour les Iraniens, effectivement, quelle belle victoire ici au stade Ahmed Ben Ali de Doha. Une victoire qui a mis du temps à se décider, mais qui est totalement méritée pour cette équipe d'Iran contre les Pays de Galles. D'ailleurs, c'est un match qui avait commencé avec beaucoup d'émotions dans le camp iranien, puisque contrairement au match de l'Angleterre, cette fois-ci, tous les joueurs ont chanté l'hymne national et l'émotion se lisait sur leur visage. D'ailleurs, dès la première période ensuite, on a vu des Iraniens très déterminés qui ont tout de suite mis des Gallois sous pression. Il y avait eu une magnifique action côté iranien qui s'était terminée sur un but. But refusé finalement après visionnage du vidéo arbitrage pour un hors-jeu, mais c'était déjà un signe. Et puis en deuxième période, l'Iran a continué de mettre sous pression des Gallois franchement dépassés au long de cette rencontre, avec notamment une double action, double poteau des Iraniens, d'Ali Golizadeh et ensuite de Sardar Azmoun, la star de l'équipe. Tous les deux ont envoyé une frappe coup sur coup sur le poteau. On se disait alors que l'Iran n'aurait vraiment pas de chance durant ce match, sauf qu'ils ont continué, ils n'ont rien lâché. Ça a débouché sur l'expulsion de Wayne Hennessy, le gardien gallois qui avait pourtant retardé l'échéance jusque-là. C'est d'ailleurs le premier carton rouge de ce mondial. L'Iran qui a su profiter de sa supériorité numérique dans les tout derniers instants de cette rencontre. 2 buts marqués dans le temps additionnel, 90+8 et 90+11. Les héros iraniens se nomment Rousbeh Chesmi qui était entré en jeu et ensuite Ramin Rezaian qui a scellé le scénario de cette rencontre. Une victoire très précieuse pour l'Iran car elle se relance totalement dans la course à la qualification au 8e de finale. Les Gallois, en revanche, avec cette défaite, sont quasiment condamnés. On va maintenant donc se diriger côté iranien vers ce 3e match de poule qui s'annonce déjà palpitant, même décisif pour la qualification. L'Iran face aux États-Unis. On est déjà impatient de voir ce match. Dans l'autre rencontre de la journée, d'ailleurs, les États-Unis, avant d'affronter l'Iran, vont d'abord devoir passer l'obstacle anglais. L'Angleterre, qui a l'occasion là de son côté, de se qualifier directement vers les 8e de finale en cas de victoire.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour plus de détails en version malagasy. Au revoir.